Regarde-moi ça, si c'est joli, dit. Vraiment typique, non hein? Ah, c'est vrai, c'est joli, il faut dire ce qui est. Puis on a des belles maisons par là. Hein? Ah, oh, c'est bien bâti. Hein? Voilà. Ah, tu te plais chez nous, hein, Daniel. Ah, qu'est-ce que c'est cette belle auto là-devant? Oh, c'est elle est belle. Oh, bah, dit, elle n'est pas si belle que la belle auto de notre Daniel. Ah, hein? Ça, c'est vrai, hein? C'est une plus petite cylindrée, hein? C'est vrai. Hein? C'est quand même une 15 chevaux, la mienne. Hein? Il faut la nourrir. Hein? Ah, dit, et puis non, il y a quand même toutes les options, hein? Frein ABS, rétroviseur électronique, peinture vernis double couche et tout, tout le Bataclan. Et alors, tes chaussées, comment? C'est du 185-14, Robert. Oh, bah, dis donc, t'as des grands pieds, toi, Daniel. Qu'est-ce qu'elle va regretter, ta femme? Oh, bah, ça, c'est vrai. Hein? Ah non, puis c'est tellement typique, en plus, à chaque fois, c'est plus typique que l'autre. Hein. Ce qui me fait le plus enrager, hein, c'est qu'elle aurait dû partir avec moi, profiter de ce beau soleil. Pour une fois qu'il y a du soleil, c'est magnifique sous le soleil. Mais c'est à cause de ce trou du cul de l'assurance, là. Il devait venir faire une expertise vendredi. Vendredi soir, il téléphone à 5h pour dire qu'il pouvait pas venir, ce trou du cul. À 5h, il te le dit. Je viendrai lundi matin à 8h, sinon il pouvait pas venir avant 3 semaines. Non, mais quand tu vois des trous du cul pareils, non, mais c'est pas vrai, on a notre lundi, nous, on est commerçants, à quoi ils pensent, ces gens-là. Voilà les vaches. Qui c'est celle-là? Ben, elle a du mal à marcher, celle-là, avec sa jupe. Ben, oui. T'as vu, il y a des beaux spécimens par chez nous. Hein, ah oui, oui, c'est vrai. Oh, c'est pas possible, ma mère. Mais regarde-moi, des vaches partout, dis, c'est pas possible. On envahit. Hein. Ah, on n'est plus chez nous. Hein. Ah, dis donc, il y en a une qui fait, là. Elles vont venir caguer jusque sur mon capot avec leurs cornes. Elles vont rayer mon double couche, là. C'est pas vrai. Si t'as deux couches, je veux bien t'arrêter. Oh, qu'est-ce qu'il cueille? Il a des framboises? Il y en a? Oui. Oh, tous ces gens, ils sont tous aux framboises. On fait un plein, celui-là. T'as vu, fait un plein. Mais donc 2 litres. Oh, mais il a de la veine. Hein. T'as vu Simone plein le seau, là, puis des belles, des belles. Ben, dis, Madeleine, on va se les faire servir, les framboises, on n'a pas besoin de les cueillir, là, aujourd'hui. Ah, on fait les beaux aujourd'hui. Ah, hein. Oui. Ah, mais regarde-moi ça, celui-là, mais regarde-moi ça, ce trou du cul, mais il va plus avoir de faim, il arrête pas de freiner, c'est pas vrai. Oh, mais dis, là, c'est pas le Riri Vermo? Pas du tout, le Riri Vermo, il a une geste bleue. Oh, et c'est pas plutôt un cerf du Souillot? Mais regarde-le, machin, il est debout sur ses freins, il a plus de freins. Oh, c'est pas possible. Vous savez tout. Mais oui, c'est évident, ça s'use les freins. Puis il freine encore, cet abruti, mais il commence à me courir sur le haricot, celui-là. Il ne va pas se laisser doubler, ce salaud. Hein. Qu'est-ce que tu veux doubler, toi, là, derrière? Non, mais c'est pas vrai, je suis déjà à 80. Tu veux quand même pas aller à 150 sur une route pareille? Ah, mais c'est pas possible, c'est pas possible. Ah, ça y est, le voilà qui passe. Ah, mais regarde-moi, ça se trouve du cul. Ah, puis qu'est-ce que t'as? Mais oui, c'est ça, fais coucou, ça t'amuse, fais coucou, bonjour. Mais oui, c'est ça. Oh, ils sont beaux, ces petits gosses, dis. Ah, mais c'est pas vrai, je vais pas me foutre au talus. Quand même, oh putain de ta mère, mais c'est pas possible. Oh dis donc, c'est des 34. Ah c'est pas vrai. Ah mais c'est pour ça qu'il klaxonnait. Bonjour les amis, coucou. Mais oui, faites signe, faites coucou. Oh, vous les connaissez? Ah mais c'est des gens du pays, ah dis, c'est pas vrai. Ah ben ça c'est sympathique. Oh, bah, ça c'est un sacré coup de poing. Ah ben je me demande bien d'où ils sont, dit. Bah dis, tu vois pas qu'ils aillent au même restaurant que nous, Robert? Ils habitent près de chez vous, Daniel? Mais moi j'en sais rien, ma pauvre Madeleine, comment voulez-vous que je le sache? Tu sais, c'est déjà la grande ville, Montpellier, hein? C'est plus grand que ça. Comme monde, mais c'est la noce, c'est pas possible. Ils vont peut-être tous à notre restaurant, dis-t'as réservé, Simon? Ouais, bah, oui, va bah, t'inquiète pas, Madeleine, mais il y a longtemps que c'est fait, hein, Robert. T'as bien fait, oui. Dieu sait ce qu'ils ont emmené dans ce camion, ceux-là, dit. Ah, vous allez pas coucher en Belgique ce soir, là. Vous vous arrêtez là, puis vous cherchez un hôtel, puis voilà, puis terminé, puis on n'en parle plus. Alors, vous arrêtez d'emmerder tout le monde sur la route. Non, mais un gros camion comme ça sur des petites routes, non, mais c'est pas vrai. Oh, mais putain de ta mère, en plus, c'est samedi, il a même pas droit de rouler, ce trou du cul. Ah, les gendarmes regardent sa boîte noire, toi. Oh, mais si elle pue son essence, c'est du fioul, Madeleine. Tiens, voilà une belle place pour ton auto. Garde-toi là, Daniel. Mais c'est trop petit, là. C'est pas une 4L. Personne pourrait sortir après. Ah, Robert, regarde-moi ça. Tu vas voir le maestro. 34 ans de conduite, jamais une égratignure. Oh, bah, t'es champion.